Coucou les loulous. Eh oui. Jour 12. 12. Alors ce 12, c'est 10 et 2. Ça fait 12. Et voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes vendredi avec un V. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite activité qui fait appel à votre précision. J'ai pris une feuille de papier. Alors, avec une feuille de papier, on peut faire plein de choses. On peut faire des avions en papier. Moi, je peux faire des bateaux aussi en papier. Mais aussi, on peut fabriquer un gobelet. Alors, on va le faire ensemble. Hein. Vous êtes prêts ? Je prends ma feuille de papier et je plie ma feuille de papier en mettant bien les bords, comme ça. Donc c'était là. Je prends mon bord et je le plie. Voilà, hop. Comme ça. Et là, il faut bien marquer le pli. Alors, bien marquer, ça veut dire qu'il faut bien passer avec l'ongle tout le long. Et voilà. Comme ça. Et hop, j'ai plié. Maintenant, j'ai ce petit morceau là en bas. Alors, celui-là, je vais l'enlever. Alors, pour l'enlever, ça ne sert à rien de prendre des ciseaux. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire avec des ciseaux. C'est comme vous voulez. Pareil, je marque bien, bien, bien le pli. Comme ça. Et là, je vais le déchirer. Hop, et voilà. Donc maintenant, j'avais ça, j'ai enlevé le petit morceau et j'obtiens un triangle. Eh oui, un triangle. Alors attention, le triangle, ce n'est pas un carré, hein, c'est un triangle. Alors maintenant, je vais prendre une des pointes du triangle et je vais la placer au milieu de l'autre côté. Regardez, je prends ma pointe. Et je la mets au milieu. Hop. Et je marque encore une fois bien le pli. Comme ça. Voilà. Donc c'était là. Hop. J'ai plié. Et je fais pareil avec l'autre côté. Je prends ma pointe. Et je la mets dessus. Comme ça. Là. Et voilà. Et là, je marque bien le pli. Voilà. Maintenant, dernière opération, je vais rabattre en haut une partie devant, comme ça, et l'autre partie derrière, comme ça. Et voilà, j'ai fini mon gobelet, je peux boire un peu d'eau. Si, si, regardez, je vais ouvrir mon gobelet, hop, il est là. Je peux prendre un petit peu d'eau, on met l'eau dedans, et voilà, j'ai mon gobelet. Alors on peut le faire avec, à votre santé, hein. Bon. Alors on peut le faire avec toute forme de papier, hein. Alors ce qui est important maintenant, c'est là un peu le défi du jour, hein. C'est qu'est-ce qu'on va faire du petit morceau qui reste? Qu'est-ce qu'on va en faire de ce petit morceau? Alors, je finis mon gobelet. Alors, c'est un gobelet à usage unique. Hein. Alors, avec ça, eh ben, je peux à nouveau fabriquer un plus petit gobelet. Alors, je fais pareil, je commence pareil, comme ça. Ah, mais ça, je vais vous le laisser faire. Hein. C'est vous qui allez faire tout seul, hein, un autre petit gobelet avec ce qui reste du papier. Voilà les loulous, une petite activité. Je vais continuer à travailler avec mon ordinateur. Je vais mettre d'autres petites vidéos, des petites choses que je suis en train de préparer. Voilà. Alors, surtout, restez chez vous aujourd'hui. Vous avez de quoi faire. Hein, et je compte sur vous pour être très, très sage avec maman et papa. Hein. Allez, à bientôt les loulous. Et n'oubliez pas, je vous vois.